Salut tout le monde, c'est Chanipi 295 pour une de mes vidéos. Donc aujourd'hui qui portera sur Beyblade. Donc je vais vous faire un combat 3 toupies sur le stadium des Battle Strikers. Et vous laissez pas distraire par Garfield hein, qui est juste là. Bon. En fait, voilà. Donc, je vais vous faire un combat 3 toupies. Donc, voici les toupies qui participeront au combat. Ray Striker 225 CS Toupie Détect le présent du Rot. Fangléon en mode attaque W130 WD. Toupie de défense en mode attaque. Et Basalt horologique jaune. J'ai mis un boulon spin battle parce qu'en fait j'étais parti chez ma tante et Mickey sans faire exprès il a voulu faire des fusions et il a perdu le boulon de Basalt horologique jaune. Allez, c'est parti. Donc la première toupie qui a 3 ou 5 points. Bon, 5 points à gagner. Bon, Basalt horologique jaune sera lancé en première. Second. Reste Striker, troisième Fangléon. Bon, en fait, pour Striker, le Fangléon et Striker, je sais pas. Allez, on est terminé. Je vais sur celui-là. Troisième pas, Striker, Basalt horologique jaune semble très bien tourné. Ah, Striker vacille un peu. Fangléon aussi. Basalt horologique jaune aussi. Basalt horologique jaune semble tourner. Premier place dans Striker. Deuxième pardon, Fangléon. Le gagnant, Basalt horologique jaune remporte un point. Bon, en fait, ah oui, attendez, je peux vous faire un tournoi. Bon, c'est simple, je vais plutôt vous faire un tournoi. Donc avec Basalt horologique jaune, Fangléon en mode attaque, Ray Striker, Fuji Capricorn, Storm Capricorn, Dark Bull, Dark Bull, Galaxy Pegasus, et Outigold. Donc voici les matchs. Basalt horologique jaune sera opposé à Ray Striker. Ensuite, Fangléon sera opposé à Urtigueule. Puis Dark Bull contre Storm Capricorn. Et dernier combat, Fury Capricorn contre Galaxy Pegasus. Allez, on va commencer avec ces deux-là. Trois, deux, un, hyper vitesse. Trois, deux, hyper vitesse. Donc le Striker semble très bien tourné. Dans cette tour, le jeu jaune aussi. Donc les deux troupes s'entrechoquent avec une force herculéenne. C'est incroyable. Ah oui, pour vous dire tout à l'heure, c'était pour tester le mode d'attaque de Fangléon. Voilà, Striker vacille. Il vacille. Tellement la force a été herculéenne qu'il n'a pas résisté. Basalt horologique jaune vacille un peu. Lequel des deux va gagner? Attention. Ah, on voit d'ici direct le gagnant. Basalt horologique jaune passe à la demi-finale. Donc au revoir Striker. Prochain match Fangléon contre Urtigueule. Bon, excuse-moi Basalt horologique jaune. Je dois reprendre ta pointe de Urtigueule. Bon, voilà. Donc Urtigueule reprend sa pointe. Et Fangléon prend la pointe de Basalt horologique jaune.
Non, parce qu'en fait, la pointe de Forgione, comme c'est une Takara, c'est pété. Je sais pas pourquoi. Bon. Passons Forgione en mode attaque. Excusez-moi, je vais essayer de faire vite. Non. Passons Forgione en mode défense. Maintenant, je vais vous montrer comment changer de mode. Vous voyez? Vous prenez ceci. Ça. Du coup, vous obtenez deux trucs comme ça. Maintenant, vous les tournez. On rentre dans le truc et voilà, c'est Fang Leon, Fang défense, Fang en défense. Ouais. Et maintenant je remonte le petit Fang Leon. Ne vous inquiétez pas, j'essaie de faire vite. Hein. Voilà, c'est bon, que le fight commence. 3, 2, 1, hyper vite. 3, 2, 1, hyper vite. Je sais pas laquelle des deux sera qualifiée, mais bon, c'est pas grave. Oh oh. Fangleon tourne parfaitement. Ertigel aussi. Ertigel fait, on dirait, formation, formatech. Ah, on dirait que Fangleon se débrouille bien. Est-ce que le roi des animaux va gagner contre l'aigle, le roi des airs? Ah, oh, merci, Gueule, vas-y. Il tremble. Vas-y, Fangleon un petit peu aussi. Fangleon regarde son endurance. Merci, Gueule est en train de se faire valser. Attention. Le gagnant est... Fangleon, mode défense. Au revoir, merci. Donc, prochain match d'Arbul contre Storm Capricorn. Troisième match, bien sûr. Et je revise le boulot de Darbul là parce que j'ai l'impression qu'elle va venir ici. Parce qu'on remarque la pointe à 70 avec 3 derrière vite. Oh là là! Oh! Storm Capricorn a massacré Darbul! Waouh! C'est incroyable! Au revoir, Darbul! Donc, Storm Capricorn affrontera un vainqueur, soit Galaxy Pegasus, soit Fury Capricorn. Bon, allez, c'est parti! Furico Galaxy, laquelle des deux va gagner? Ah là là, les deux semblent trembler. Et voici le gagnant qui affrontera Storm Capricorn. Donc au revoir Galaxy Pegasus. Donc c'est bon. Nous avons les demi-finalistes. Donc, Bazel Toro de Jumzone affrontera Fangleon en mode défense. Retour à la pointe. Par contre, je dois emprunter la pointe d'une des toupies perdantes. Bon, Ertigel. Parce que eux, ils ont tous les deux presque la même pointe. Donc voilà, c'est parti. Bazel Toro de Jumzone contre Fangleon. Hyper vitesse. Tout à l'heure, Fangleon avait perdu parce que je l'avais mis en mode attaque. Mais peut-être qu'il va gagner. Quand je dis peut-être, c'est peut-être. Et après, vous aurez la confrontation des deux Capricornes. Storm contre Fury. Lequel des deux va gagner? Je ne sais pas. Ah ah, pas cette horloge jaune est en train de perdre. Serait la fin pour l'horloge qui contrôle l'espace. Non, c'est vrai. Pour l'horloge qui contrôle le temps. La mythe de Twist Tempo.
Qui a trouvé ce nom ridicule? Attention! Oh, Fangorn va perdre. Le roi des animaux va-t-il se laisser vaincu par une horloge? Oui, il s'est laissé battre! Quelle humiliation! Donc, Bazette dans le jeu passe à la finale. Maintenant, la confrontation ultime que vous attendez. Les deux Capricornes. Trois de la guerre vite. Là, j'ai lancé d'une puissance incroyable. Tant Capricorne en mode endurance. Alors là, chapeau. Oh là là, il va si, voici. Finalement, faut dire que c'était une petite bataille facile. Donc, Fury Capricorne affrontera Bazette pour le jeu de jeu. Maintenant, on va faire le match des perdants. Fangorn contre Stank Capricorn. Hyper vitesse. Wow. Le choc des deux toupies est incroyable. Oh oh. Stank Capricorn, vas-y. Il va essayer comme dans la série. Oh. Fangorn finit en troisième position. Donc au revoir. Maintenant passons à la finale. Pour pouvoir enfin utiliser le lanceur de striker. Hyper vite. Oh, jolie attaque, belle attaque du stand de Fury Capricorn. Mais ça n'a pas été assez. Oh, donc voici le grand gagnant du tournoi. Le second. Dommage pour toi, Fury. Le troisième. Et le quatrième. Maintenant, je vais faire une petite bataille royale pour les perdants. Donc, Fangorn. Excuse-moi, mais tu vas rendre la pointe à Earthigel pour la bataille royale des perdants. Je vous explique. Les quatre perdants vont faire un combat. Un seul. Et le seul d'entre eux qui survivra finira en cinquième. Le premier perdant finira en huitième. Le deuxième dans... Bon. Je vais lancer Striker et Galaxy Pegasus. Bon, je vais lancer Galaxy Pegasus et Darkbus sur leur sort de Fury Capricorn. Et bah Earthigel et Restriker sur leur sort de Striker. Donc je demande aux deux toupies d'équipe de se mettre sur les lanceurs. Allez, 3, 2, 1, hyper vite. Vous vous demandez pourquoi j'ai lancé Earthigel en premier? Parce que Darkbus il a une boîte de spin battle, du coup ça baisse son endurance par les vertices. Donc Darbul a perdu. Earthigel aussi. Darbul fut 8ème. Earthigel finit 7ème. Oh, c'est entre Striker et Pegasus là. Oh! Striker va-t-il se laisser faire? Et il se laissait faire! Du coup, en 5ème position, Galaxy Pegasus. Maintenant, je vais vous dire les positions totales du dernier jusqu'au premier. 8ème, Darbul. 7ème, Earthigel. 6ème, Restriker. 5ème, Galaxy Pegasus. 4ème, Stank Capricorn. 3ème, Fangorn. Fangorn. 2ème, Fury Capricorn. Et 3 et bon, et vainqueur, Bazette Thor, le jaune jaune. Voilà, c'est terminé. Donc, abonnez-vous à moi et à tous mes amis qui sont sur ma chaîne. À très bientôt, tout le monde, pour une nouvelle vidéo encore plus fantastique. Hasta luego. À moi, ce que je peux continuer, je crois. Oh non. Si. Donc, en attendant. Bon.
Bon, en fait, c'est simple, je vais continuer. Maintenant, je vais vous dire mes abonnés. Maintenant, je vais faire une grosse pub pour tous mes amis. Pas une pub. J'ai pas dit une bulle, j'ai dit une pub. Bon. Pour tous mes amis. J'ai dit bien pour tous mes amis. Donc, que ce soit des anglais ou des français, je vais quand même vous les lire. Donc, en premier, je vais vous dire les français. Ah, donc, abonnez-vous à moi, Tekken 141100, Chaos Zenix, Mr. Blader, Stardust Dragon Full, Destroy Pegasus Full, Melvin 90100, Anthony 4371, Beyblade France, Yaya Tori 4062, Blader 1999, Carlito 8830, le Blader du 94, Suriel et Surno, Electromax 98, Tietigon, Jean-Gaclem 99, il a fermé, The Blader 2, Luthor Swap, Sauver la Terre 80, The Sonic Fan XD, XX Blader Leon XX, Shippy, Shibi Ship, Cassibina, The Blogger du. Quoi? Bon, pas grave. The Blogger du. Du 77, du 77. 1505 Nathaniel, Alcofran A, le Bibix, Quentin 02, Quentin 0 2490, Mr. XX Pegasus, Lightning and Drago 2000, XX Blader Leon XX, SV, SVR Gamer Full, Exodi 01, Whitey Boy, on vient de fermer, Zozoko, Jenga Clem 2, Blader 361, Vinix The Man, Blader 35, Bernois Type 80, 91220, Spiro le Dragon, Toto Spé du 77, Kenta le Sagittaire, Yoman Mec, XX Thunder Libra, 35 Toupi, XX Matisse, XX. Franti 44, Colion, XX Dark Libra, XX, Cueil à 991, The. Petit Rock 28, 331, Titi, The Blader. Quoi? The Blader Ryukan. The Blader Ryukan. Ensuite, Storm Pegasus Slam. 34300 Phoenix. Megaloran 34. Non. Megaloran 34. Johan Guy Beyblade. XX0 Manga 0XX. 3034 Jinga. The You 1213. Johan CSF Full, Jenga Club 00, Light Navy 64 et Fan de BB 59. Maintenant, je vais vous dire les anglais. Donc, je vais prendre ma voix anglais. Subscribe, Dragon XGT, GT. Base Strategist. Ah oui, j'ai aussi oublié The Dead Life Beyblade. XX Standard Libra. The Mr. Fox Projection. Merci. These are English or. But Mr. Pegasus, Mr. Hicks,
Pec assist. Stardust Dragon Pool. That's all. Donc c'est moi, c'est tout les amis. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Super. Cool. Ah oui, c'est juste pour vous dire au cas où. Vous avez dans Crash Team Racing la Coupe Shadow. Je sais pas si vous avez eu le temps de regarder tout. Parce que hier ça a passé que 29 minutes. Parce que dans les 29 minutes, normalement j'ai fini dans les 55 minutes. Donc aussi proposez-moi des challenges dedans, n'ayez pas peur, hein, je vais quand même les relever, hein, vous croyez quoi. Parce que moi il y a des circuits dedans où je fais des casse-coups, comme le col polar, plus une fois surtout je fais plus ce casse-cou. Là je peux vous le prouver. Mais plus tard. Voilà, à bientôt. Ah oui, aussi, quand celle-là sera postée, je vous ferai les tests de 4 personnages que j'ai débloqués en même temps que le faux crash. Le personnage que j'ai utilisé pour la coupe Shadow. Et je suppose aussi que vous n'avez pas eu le temps de voir la belle fin du jeu. Enfin, Nitro's Oxyde s'est cassé de la planète. Pas grave, je vais vous la remontrer. Allez, ciao.